L'Agence de développement des technologies de l'information et de la communication, ADETIC, ouvre ses centres communautaires multimédia dans les provinces. Le temps fort de la cérémonie d'inauguration dans l'Oguera avec Kadnouba Théophile. Faciliter l'accès aux nouvelles technologies de l'information et de la communication à la population tchadienne afin qu'elle ne soit pas à la traîne de la révolution numérique. Une volonté des plus hautes autorités du pays qui s'est matérialisée par la création en décembre 2014 de l'Agence de développement des technologies de l'information et de la communication, ADETIC, une institution dont la mission est d'élaborer et de suivre la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement des technologies de l'information et de la communication. La construction des centres communautaires multimédia dans les régions, à l'exemple de ces télécentres de la ville de Mongo dans la région du Guéra, qu'inaugure le secrétaire général du ministère des Postes, constitue une étape importante de cette mission. Dans son mot de bienvenue, Madame le maire de la ville de Mongo, Fatouma Abdoulaye, salue cette initiative qui va permettre aux jeunes de lutter contre l'oisivité qui les expose aux dangers de tout genre. Le directeur général de l'ADETIP se réjouit de l'intérêt qu'accordent les autorités régionales du Guéra à son institution. L'Agence de développement des technologies de l'information et de la communication, l'ADETIP, est une très jeune institution étatique. Elle doit apporter ses contributions à la modernisation et à la numérisation de l'administration publique, tout en travaillant au renforcement des capacités du capital humain et de l'infrastructure. Le gouverneur de la région du Guéra exhorte les populations de sa circonscription administrative à s'approprier cet outil de télécommunication. De nos jours, est considéré comme un analphabète l'individu qui n'a pas accès aux technologies de l'information et de la communication. De ce fait, nous sommes honorés de procéder à l'inauguration du tout premier centre. Ces privilèges constituent une grande satisfaction et une légitime fierté pour notre région dans son ensemble et pour la ville de Mongo singulièrement. Ce centre communautaire multimédia de Mongo est constitué d'une salle de formation informatique, une salle de réunion de 120 places, d'une salle de secrétariat, de deux bureaux, d'une salle de cybercafé et d'une salle de serveurs.